Yo les gens, ici Rafi1650, on se retrouve pour une vidéo sur Bus Meta 21, donc je sais que ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas fait de vidéo sur le jeu. On se retrouve pour la présentation de la 15e ligne sur le jeu, donc c'est parti. Sur la première ville, donc je vous ferai la prochaine ville, donc la ville suivante. Je vous ferai aussi les lignes de présentation, donc présentation de la ligne, des lignes qui sont dans la ville précédente, donc la ville qui était dans Bus Meta 18, à proprement dit, voilà. Donc là, c'est parti, on va commencer ce trajet ensemble. Donc je vais faire la manette du coup parce que mon volant est branché sur mon PC. Depuis que j'ai ETS2, que je peux rejouer à ETS2 sur mon PC, bah j'ai pas rebranché mon volant sur ma console, même pour Gran Turismo 7. Pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Mais voilà quoi. Donc c'est parti, on va commencer ce trajet ensemble, on y va. Donc on y va, donc oui, je voulais vous montrer ce trajet du coup. C'est la numéro 15 qui est ici, donc c'est la ligne Denali Richage, donc je vous ai bien dit le nom, donc on a un arrêt, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts, on a 6 arrêts à faire dans cette vidéo. Donc par contre au volant, à la manette ça fait vraiment bizarre de jouer parce que le volant tourne différemment qu'à la manette. En fait quand vous jouez à la manette, franchement c'est pas vraiment la même sensibilité quand vous tournez votre volant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est en anglais? Ok. Je sais pas pourquoi c'est en anglais. J'ai eu un message en anglais, je sais pas du tout pourquoi. Hop, on va. Ah, parce que je suis pas très bien garé, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué au jeu. La dernière vidéo sur Bus Hunter date d'il y a un mois. Donc, ça date quand même, on va dire. Donc là, il me reste plus qu'un trophée à avoir pour platine le jeu. Le trophée des 1000 km. Donc, je sais pas si c'est long à avoir les 1000 km. Moi, franchement, je trouve ça horrible à faire. Hein. J'ai mon trophée, bah je joue au jeu depuis que le jeu est sorti. Et franchement, j'ai l'impression que c'est super long 1000 km en bus. Pourtant, quand vous jouez par exemple à ETS ou un autre jeu, bah c'est super rapide à faire 1000 bornes. Vous les faites assez rapidement. Voilà, on va passer par là. Donc par contre, il n'y a aucun... le problème, sur moi je joue sur la PS5 à Bus Meter 21. Mais en fait, comme il n'y a pas de version PS5 sur le jeu, bah en fait, la manette DualSense, c'est pas qu'elle est pas reconnue, c'est que vous n'avez aucune vibration en plus, vous n'avez aucune fonctionnalité par rapport à la manette PS5. Donc c'est un peu le défaut, je trouve, qu'on va trouver sur le jeu. Vous auriez pu faire une version PS5. Hein. Alors, peut-être que c'était prévu pour plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ah, tout de light, je sais pas se dire quoi. En retard, peut-être, je suis peut-être en retard. Sortie de chauffeur, mais non. Donc, il n'y a rien à prendre, non. Il n'y a plus personne à prendre. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire quelques vidéos sur le jeu, parce que... Ah non, j'ai pas besoin de mettre le clignotant, c'est un virage. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre de jouer... à la manette, ça fait vraiment chelou. Quand vous êtes habitué au volant, tiens, good timing, vous voyez, il y a des trucs qui s'est traduit en anglais, des trucs c'est pas en anglais, c'est bizarre. Par contre, il va falloir que je démonte le client. Je sais même plus comment on fait pour monter le client du coup. Rampe, voilà. Faut que je me rappelle mes automatismes sur le jeu. Ah, c'est pas qu'il va pouvoir monter. Ouais, c'est bon, il va pouvoir monter. Bon, faut vraiment que je prenne mes automatismes parce que ça fait un mois que j'ai pas joué au jeu, donc je suis un peu perdu pour l'instant. Pas perdu, mais voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai fini du coup le jeu complet. J'ai fini cette ville-là et j'ai fini l'autre ville. Du coup, j'ai fini le jeu. Le jeu est terminé. Il me reste plus que 2 trophées à avoir et je platine le jeu comme ça. C'est cool. Donc, je vais essayer de vous proposer ça. Je vais vous proposer sur ma chaîne, du coup, Bus Meter 16 2016. Pour ceux qui ont jamais joué. Parce qu'en fait, le jeu n'est jamais sorti sur PC, je voudrais vous proposer sur PC. Bah, sur console, je veux dire. Il n'est jamais sorti sur console, et je voudrais vous proposer la version PC, du coup. Parce que, bah, il n'est jamais sorti sur console, et pourquoi pas vous faire une petite vidéo découverte, un truc comme ça, comme j'ai fini Bus Meter 16. Et par contre, je pourrais vous le faire en volant, du coup, sur celui-là, parce que mon volant est branché sur ma En fait, l'idéal, il faudra que j'achète un deuxième volant. Un T150, on a acheté un deuxième. Comme ça, je n'aurai un qui reste dans mon setup console. Donc console, et un que je laisse sur mon PC. Je pense que je vais finir à faire ça, hein, parce que sinon, ça va être chiant.
Je sais que ça fait acheter un volant pour rien, mais bon, le problème c'est que bah, c'est chiant de le trimballer parce que moi il est dans ma chambre et ça me fait le débrancher à chaque fois de mon PC pour le remettre dans ma salle à chaque fois. Donc, c'est pour ça que cette série là, bah, le Bustulator 21, je continue ma série à la manette parce que c'est un peu merde, c'est pas par là. Trompé de route. Merde. Bon, c'est par là. On va pouvoir rattraper la connerie. Pardon, on va pouvoir y aller. Personne là, non, y'a personne, on peut y aller. Non, je suis en train de discuter et puis du coup, j'étais complètement perturbé moi dans mon truc. Voilà, tac. Voilà, ligue terminée. Donc j'ai pas encore eu mon trophée de tomber. Je vais pouvoir descendre la personne du coup. Hop. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Bon, j'ai fait 5 étoiles et quelques. Pourquoi il y a écrit un truc action pour arrêter le suivre? C'est quoi ça? Pourquoi ça me dit ça? Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc je vais essayer de vous proposer plusieurs épisodes à la suite. Pas la suite à la suite, mais essayer de vous proposer plusieurs épisodes sur la chaîne prochainement dans les jours qui viennent comme ça. Bon, on va continuer un peu cette série parce que c'est vrai que j'avais assez abandonné. Donc n'oublie pas de liker, partager, commenter mes vidéos aussi. Bye bye, porte bien. Peace.